aujourd'hui je vous fais une vidéo particulière puisque j'ai encore jamais fait de vidéo de la sorte, et donc je vais faire une vidéo sur des idées diététiques pour cet été. Alors je vous rassure, ma chaîne ne va pas devenir une chaîne de cuisine, mais j'ai eu plusieurs demandes suite à mon compte Instagram où je poste de temps en temps mes recettes, etc. Et également je poste de temps en temps des recettes sur mon blog, et on m'a demandé de faire quelques vidéos recettes et tout simplement pour vous donner également des idées. Alors je vais rien faire de très très élaboré puisque l'objectif c'est que tout le monde puisse le faire chez soi. Et voilà, donc on va commencer. Donc en fait, pour tout vous dire, ce soir j'ai un pique-nique et donc je vais en fait réaliser des recettes pour mon pique-nique ce soir. Donc sachez que la plupart des recettes que je vais vous proposer aujourd'hui sont parfaites pour les végétariens et les végétaliens. En fait, elles sont bien pour tout le monde. Il n'y aura que le smoothie où j'utilise un yaourt, un fromage blanc en fait avec du lait, donc ce n'est donc pas végétalien, mais vous pouvez toujours le substituer par yaourt au soja, du lait de riz, du lait de soja. Il y a ceux qui sont végétaliens savent très bien par quoi substituer. Moi j'aime bien la texture du yaourt avec le smoothie que je vais vous proposer, mais on n'en est pas là. Je vais commencer par le salé. Donc qu'est-ce que je vais vous faire? J'ai trois idées salées. Donc la première, ça va être un taboulé au quinoa avec que des trucs hyper frais, hyper colorés, super sympa. Deuxième idée, ça sera une salade juive. Je sais pas vraiment si ça s'appelle comme ça, en fait c'est ma grand-mère qui m'a appris cette recette. Et c'est tout simplement du poivron qu'on fait griller au four et ensuite avec un tout petit peu d'huile d'olive et un petit peu d'ail. En fait c'est une salade de poivron et c'est délicieux. Et pour finir, je vous ferai un guacamole maison. C'est très simple à faire et je vous montrerai comment on fait. Pour les desserts, ce sera un smoothie à la mangue et des brochettes de fruits, tout simplement. Donc c'est parti, on va commencer. Je vais commencer par préparer mon taboulé. Pour le taboulé, vous allez avoir besoin de quinoa. Moi, le mien est bio, mais vous pouvez prendre n'importe quel quinoa, ce qui vous plaît. Ensuite, vous aurez besoin d'un poivron rouge et d'un poivron jaune, d'un concombre. Vous aurez également besoin de tomates cerises. Moi j'ai décidé d'en prendre de toutes les couleurs parce que je trouve ça magnifique. Et pour finir, il vous faudra un demi-oignon rouge, de la ciboulette, de la menthe, un jus de citron et 1 à 2 cuillères d'huile d'olive. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, c'est très très simple. Il y a besoin de très peu d'ingrédients. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est préparer le quinoa. Pour préparer le quinoa, c'est très simple. Il faut tout simplement lire les instructions. En fait, sur mon quinoa, il faut déjà que je le lave. Et en fait, je mets 1 volume de quinoa pour 2 volumes d'eau. Donc je vais préparer le quinoa et je reviens de suite. Donc pour préparer le quinoa, c'est très simple. J'ai mis 1 volume de quinoa que j'ai lavé au préalable. Et maintenant, je vais rajouter 2 volumes d'eau. Maintenant, je vais laisser cuire pendant 15 minutes. Donc pendant que mon quinoa est en train de cuire, je vais tout simplement couper tous mes légumes en dés. Donc je vais commencer par couper les poivrons en dés. Comme vous le savez, il faut retirer les graines en premier. Alors vous faites bien attention de ne pas vous couper. Et vous voyez, je vais vraiment couper de tout petits dés parce que je trouve meilleur en fait dans le taboulé des petits dés. J'en profite pour préciser que tous les légumes ont été lavés, donc pensez bien à laver vos légumes avant de les couper. Donc j'ai épluché le concombre et maintenant je vais le couper en deux. Je vais essayer d'enlever les graines parce que j'aime bien quand c'est bien croquant. Ensuite je coupe des longues lamelles afin de pouvoir couper mes petits cubes. Ensuite, je coupe un demi-oignon rouge. J'aime pas en mettre un entier parce que je trouve ça trop fort. Vous pouvez aussi mettre de l'oignon doux ou de l'oignon en botte. Bon, maintenant que j'ai mes 2 poivrons, mon concombre et mon oignon rouge, je vais couper un petit peu de ciboulette, toujours en tout petits bouts. Ensuite, je vais émincer un petit peu de menthe. Et si vous n'aimez pas la menthe ou si vous n'aimez pas la ciboulette, vous pouvez remplacer par ce que vous voulez. C'est l'avantage du taboulé, vous mettez ce que vous avez envie. Vous pouvez mettre du basilic, vous pouvez mettre de la coriandre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais presser le jus d'un citron. Une fois que mon quinoa est prêt, je l'ai mis dans un récipient en verre, tout simplement. Et donc je vais ajouter mes ingrédients. Et l'avantage, c'est que c'est plein de jolies couleurs et c'est très très agréable après visuellement. Ensuite, j'ajoute ma menthe et ma ciboulette. J'ajoute ensuite mon jus de citron. Ensuite, j'ajoute 2 cuillères d'huile d'olive et du sel et du poivre. Vous pouvez aussi ajouter dans ce taboulé des dés de tomates. Et finalement, j'ai décidé de ne pas en mettre parce que j'avais envie que ça garde bien le croquant. L'avantage de mettre des tomates, c'est que ça met plusieurs textures différentes. Mais j'avais envie de garder juste mon taboulé croquant, mais vous avez cette option si vous le souhaitez. Et donc ensuite, je mélange tout simplement. L'idéal, c'est de laisser ensuite votre salade de taboulé au frais. Donc je recouvre mon récipient et je mets mon taboulé au frais. Pour ma salade de juive, je vais découper mes 4 poivrons et je vais les disposer sur une plaque. Mais pendant que je fais ça, je vais préchauffer mon four à 200 degrés, position grill. Donc pour ma salade de poivrons, j'ai donc disposé sur une plaque qui va au four avec du papier alu. Le papier alu va vous servir surtout à vous faciliter la tâche pour le nettoyage. Donc il faut bien que chaque face soit bien aplati sur votre plaque, parce qu'en fait on va aller faire griller la peau et ensuite je vous montrerai comment on fait pour enlever la peau, et donc il ne restera plus qu'un super poivron sans peau et bien fondant. Donc dès que mon four est bien préchauffé, je mets mes poivrons au four pour environ 30 à 40 minutes. Pendant que mes poivrons sont en train de cuire, je vais préparer le guacamole. Il nous faut 2 avocats bien mûrs, le jus d'un citron et 2 épices pour guacamole, tout simplement. Pour les avocats, je les coupe en deux et ensuite avec une cuillère, je viens récupérer ma chair, comme ceci. C'est beaucoup plus simple. Une fois que j'ai récupéré la chair de mes avocats, je vais tout simplement prendre une fourchette et tout écraser. C'est pour ça qu'il faut que votre avocat soit bien mûr pour bien pouvoir écraser, puis en plus le goût sera meilleur. Ensuite, je transvase ma chair d'avocat dans un bol. Je vais presser à nouveau le jus d'un citron. J'ajoute mon citron au guacamole. Je mélange bien. Et ensuite, vous ajoutez vos épices à guacamole. Vous mélangez bien. Et voilà un guacamole délicieux à déguster avec des chips. Tout comme mon taboulé, je vais mettre mon guacamole au frais. Le mieux, c'est de le mettre au frais quelques heures avant de le déguster. Maintenant, je vais passer à ma partie préférée, c'est-à-dire le smoothie. Pour le smoothie, moi j'utilise de la mangue surgelée que j'achète chez Picard. Je la préfère parce que du coup, j'ai pas besoin de rajouter des glaçons. Si vous utilisez de la mangue fraîche, à ce moment-là, je vous conseille de rajouter des glaçons. Ensuite, j'utilise une demi-banane et un petit peu de fromage blanc à 0% à la vanille, puisque j'aime bien. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, yaourt. En général, j'aime bien utiliser des yaourts à la grecque, mais j'en retrouve pas partout chez moi dans ma région. Donc malheureusement, j'en avais pas, donc je fais avec ce que j'ai. Pareil chez vous, vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Donc, je vais mettre dans mon blender la mangue. Je vais rajouter une demi-banane. Vous pouvez la mettre en entière. Moi, j'ai une demi-banane, je trouve ça suffisant. Et ensuite, je rajoute un peu de fromage blanc. Ensuite, je ferme mon blender et c'est parti. Donc là, étant donné que je trouve que mon smoothie est un tout petit peu épais, je vais rajouter le jus de 2 oranges pressées. En temps normal, je rajoute un petit peu de lait, mais vu que je n'en ai pas, je vais mettre plutôt de l'orange. Donc voilà, mon smoothie est juste délicieux, donc je vais le goûter. Oh, c'est trop bon. Donc pour récapituler, dans ce smoothie, j'ai mis une mangue et demie, du yaourt. Je vous conseille peut-être d'en mettre un peu moins que ce que j'ai mis. Mettez plutôt une cuillère et demie de yaourt. Et mettez un peu de lait si vous aimez le lait, et sinon, comme moi, 2 jus d'orange et une demi-banane. La banane, ça permet de sucrer, ça se sent très peu et c'est surtout que ça sucre bien votre smoothie. C'est délicieux. Comme vous pouvez le voir, mes poivrons sont bien grillés, donc je les ai sortis du four. Et en fait, pour enlever la peau, vous avez deux solutions. Soit vous mettez dans un récipient en verre et vous fermez, vous attendez un petit peu. Soit vous mettez, si vous n'avez pas de récipient en verre, soit dans un tupperware, soit dans une poche. Vous savez, les sacs congélation, vous mettez dans un sac congélation, vous fermez bien. Donc, je vais mettre de suite mes poivrons. Je ferme comme ceci et je vais attendre, je sais pas, au moins 10 minutes. Moi, j'aime bien attendre 10 minutes, un quart d'heure. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut attendre. Peut-être qu'il faut attendre plus, peut-être qu'il faut attendre moins. Je ne suis pas très calée en cuisine. En attendant, moi, j'attends un quart d'heure. Et au bout d'un quart d'heure, je prends mes poivrons et la peau va s'enlever tout seul. Voilà. Donc, voyez, donc la peau se retire toute seule. Vous n'avez besoin d'aucun effort. Et ça, ce serait vraiment impossible sans ce procédé d'effectivement faire griller vos poivrons au four. Et après, les enfermer dans un récipient, que ce soit plastique, verre, etc. Sachez également que vos poivrons, vous allez voir, la texture est incroyable puisque du coup, c'est comme si c'était cuit et puis c'est fondant, c'est grillé, c'est délicieux. Vraiment, vous devez essayer, je vous garantis que vous allez adorer. Une fois que j'ai enlevé la peau, je coupe des fines lamelles. Et dès que j'ai terminé tout ceci, je vous montre ce que je fais. Donc j'ai terminé de couper en lamelles mon poivron et je vais juste rajouter une gousse d'ail. D'abord je vais éplucher. Je vais enlever le germe à l'intérieur. Donc je vais mettre dans un récipient mes lamelles de poivron. Avec mes lamelles de poivron, je vais prendre mon ail et je vais l'écraser. Donc moi j'ai une machine qui me le fait, sinon vous le coupez en petits cubes si vous n'avez pas d'écraseur d'ail. Je vais saler ma salade et je vais mettre une toute petite cuillère d'huile d'olive, mais vraiment très peu. Je vais même pas mettre une cuillère à soupe entière. Voilà ma salade de poivrons. Je vous assure, c'est délicieux. Vous devez goûter. Je vais la mettre au frais. Comme ça, quand je vais la déguster, elle sera super bonne. Maintenant, je vais faire tout simplement des brochettes de fruits. Donc, vous prenez les fruits que vous préférez. Moi, mes fruits préférés, ce sont les fraises. Et j'adore le mélange fraises et mangue. En fait, ouais, fraise, mangue ou mangue, fruit de la passion. Mais bon, le fruit de la passion, c'est un peu compliqué à mettre sur une brochette. Donc, je vais mélanger des fraises et de la mangue. La mangue, c'est de la mangue fraîche que je vais éplucher avec un économe. Et ensuite, je vais mettre tout simplement mes morceaux de fruits sur des bâtons de bois que j'ai trouvé. Je pense que je les avais trouvés chez Casa, ceux-là. Chez Casa ou à la Foire Fouille, quelque chose comme ça. À gauche, j'ai de la mangue fraîche que j'ai coupée en dés et à droite, des fraises fraîches également que j'ai coupées en deux, sauf les petites. Et maintenant, je vais faire mes brochettes. Je vais alterner entre une fraise et un morceau de mangue. Et voilà le résultat. Frais, simple, trop mignon. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc j'ai partagé avec vous quelques idées très simples, fraîcheurs. J'espère que je vous ai appris quelques petites choses et qu'il y a des choses que vous ne saviez pas faire. Bon, la brochette de fruits, je me doute que j'ai pas appris grand chose, mais bon voilà, c'est des fois des idées qu'on n'a pas, même si on sait faire. D'ailleurs, je pense que la plupart des choses, probablement vous savez déjà faire, mais c'est juste pour vous donner les idées. En tout cas, si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos dans ce genre, n'hésitez pas à liker, laissez-moi un commentaire pour me le dire. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.